Salutations distinguées mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le mardi 14 mars, il est 9h11 du matin et je vous introduis ce vlog, voilà. J'avais un élastique sur mon bureau pour mes cheveux et je ne le trouve plus, ça me rend triste. Élastique, non, j'ai plus d'élastique parce que là mes cheveux ça va pas du tout, je les ai lavés hier, regarde-moi ça, ils sont tout fins, regarde-moi ça. Ils tiennent même pas en arrière, donc faut vraiment, là, je vais quand même vraiment devoir mettre un élastique. Le problème, c'est que je n'arrive pas à me les attacher tout seul. Pour l'instant, en tout cas, j'ai beau m'entraîner, j'y arrive pas. Donc c'est un petit peu chiant. En emmenant les enfants dehors, il y avait du vent et tout, les cheveux, ils partaient à droite, à gauche, à gauche, à droite et tout. C'était casse, bonbon. Donc ouais, c'était un petit peu chiant. Et du coup, bah aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, j'ai eu un jour off. Donc pour ce Saint-Jean, je vais juste ouvrir le logiciel de montage déjà tout de suite parce que j'ai encore des trucs à monter. Alors attendez, c'était, je sais même plus c'est quoi le nom du live. Oh, c'est trop le bordel. Je suis pas. Attends. Le truc c'est que j'ai tellement de replay à monter. Peut-être celui-là. Non, je pense celui-là, je l'ai terminé. J'ai plusieurs replays à monter, mais je sais pas où je les ai mis, dans quel dossier, donc c'est un peu chiant. Ah là là, quelle galère. Mon PC a redémarré cette nuit, par contre, je vois ça. Ah bah non, c'est hier, il y a eu coupure. Oh là, hier, on a eu plusieurs coupures de courant. Mais bon, je vais vous raconter. Ouais, non, celui-là, il est monté, ce live-là. Ouais, hier, du coup, nous étions lundi, et c'était mon jour off. Et en tant que jour off, j'ai profité de mon jour off. J'ai joué à Sea of Thieves et tout. Et ensuite, aha ! On vous avait parlé il y a quelques mois de notre volonté de changer de table de salle à manger. Laura avait contacté un menuisier ébéniste pour ce faire. Et on avait laissé ça un peu de côté et tout. Et là, du coup, hier, je me suis rendu à l'atelier de cet ébéniste pour discuter de notre projet de table de salle à manger. Fait à la main, artisanat, du coup. Et ça, c'est beau. Et du coup, bah, on a pu se poser sur un bois, sur la teinte du bois, sur la taille, sur la façon de le faire, etc. Et bah, là, on va sûrement faire cette table de salle à manger. Donc, c'est une table fait maison, enfin, fait à la main par un artisan. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est cool. Quand tu vois, de toute façon, le prix des tables qu'on veut, c'est des grandes tables. On est quand même 7 et parfois, on est 10, 11, 12, tu vois. On veut vraiment une très grande table, et quand on voit le prix des très grandes tables, de toute façon, on est largement supérieur à ce que l'ébéniste nous propose en le faisant lui. Donc on est gagnant. Franchement, on est bien, quoi. Et du coup, bah, j'y suis allé hier, après je suis rentré, je suis chercher les enfants, il y a eu l'aïkido, on a préparé le repas du soir, j'ai fait du poulet moutarde avec des épinards. Et puis après, bah, j'avais pas de vlog à monter, j'avais pas de live à faire, donc je suis resté avec Laura, bien évidemment. Du coup, et après, on est allé regarder Once Upon a Time. On s'est couché assez. On est allé au lit assez tôt. Genre vers 20h30, je crois. Donc c'est pas mal. Et on a eu plusieurs coupures de courant. Hier, c'était la tempête. J'avais reçu un SMS. Attention, orage, violent, machin et tout ça. Donc on a pris notre douche dans le noir. Bon, ça s'est rallumé au bout d'un moment. Après la douche. Et après, Laura s'est endormie à 21h30. 21h30, elle était KO. Ciao, bonsoir. KO technique. Du coup, je suis allé jouer à Sea of Thieves avec Geoffrey, et on a joué comme ça jusqu'à minuit, je crois, minuit et demi. Pas très tard, en soi, parce que j'ai commencé plus tôt, donc forcément, on a terminé plus tôt. Et puis, c'était bien, voilà, on a bien joué, c'était cool, franchement, c'était un bon moment et tout. Et après, le dodo. Je suis actuellement enrhumé, c'est casse-bonbon, je vous avais dit que les bronches étaient prises, bah là, c'est remonté dans le nez. Du coup, je suis pas mal enrhumé, la nuit c'est une catastrophe, je respire par la bouche et du coup t'as la bouche pâteuse et tout, toute sèche, c'est infernal. Ça me casse les bonbons, mais c'est comme ça. Là, la journée ça va parce que je suis debout assis, donc du coup, bah au niveau respiratoire ça va un peu mieux, mais on l'entend peut-être que je parle avec le nez, pas mal avec le nez. Mais bon, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça. Voilà. Au programme de ce jour, donc on est mardi, j'ai rien de rendez-vous de prévu, etc. Donc j'ai du travail, des replays de live à monter, de la compta, de l'admin, que j'ai pas fait hier, du coup, quand on était lundi. J'ai aussi
Laura va aussi à midi au Leclerc pour acheter le Karcher du Leclerc, parce qu'ils font une super promo sur leur Karcher. Ma mère m'a envoyé ça hier, donc du coup, bah, c'est Laura qui va y aller à midi. Et puis après, bah, retour des enfants à 16h30, la routine et tout ça, normal. Faut que je fasse le planning des lives aussi, donc je fais un live ce soir. Voilà, j'ai pas mal de trucs. Et aussi vis-à-vis de ma future activité professionnelle, dont je vous parle pas, hein, je vous dis pas de quoi il en ressort. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine pour cette activité professionnelle. Ça y est, comme j'ai dit, il y a plein de choses qui dépendaient pas de moi, des délais qui dépendaient pas de moi. Et là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, c'est noté. J'ai rendez-vous jeudi prochain pour ça. Et j'ai, je serai pris le week-end du mois d'avril, normalement. Je serai pris le week-end du 8-9 avril, pour Pâques. Voilà, je vloguerai pas, du coup. Je serai pas dans le coin. Donc, j'ai la route à faire et tout. Donc, ça sera du coup, 2 jours sans vlog. Mais je vous l'ai dit, de toute façon, pour les mois à venir, jusqu'à mon départ de YouTube, il va y avoir des week-ends, voire même en été. Il y a une semaine complète en été où je ne serai pas là. Je rentre à la maison le soir. Mais je vais pas vlogger, évidemment, ni faire de live et tout, mais ça, de toute façon, je vous tiendrai, bien évidemment, informé au préalable, voilà. Bref, je vais essayer de retrouver le live, le Saint Live, du coup, que j'avais téléchargé, il me semble. C'est ça qui m'étonne, je crois que je l'avais téléchargé, je comprends pas où il est. Ça fait chier. Ça fait clairement chier, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non... Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Non, c'est un peu chiant. J'ai pas d'autre... Ah, je l'avais nommé live quelque chose. Je crois. Il me semble. C'est pas celui-là. Je l'avais nommé live. Je l'avais pas nommé replay. D'habitude, je nomme replay. Ouais, mais je suis dans les L, y a pas. Là, je suis dans les vlogs. Tac, tac, tac. Bah, écoute, je le trouve pas. Je le trouve pas. Ça me saoule. Replay à un moment. Et je tousse encore. Et ça me fait la buée sur les lunettes. Écoutez, je le trouve pas. Je comprends pas. C'est le con. Le 7 mars, ça. Ah! Ah bah c'est celui-là que je croyais avoir. Donc bon, je crois qu'il faut que je retélécharge du coup, les lives. Ah non, je crois que je les avais téléchargés, mais ils étaient dans mon dossier téléchargement. Je les avais pas rangés, il me semble. Je crois que c'est ça. Attendez. Là, 9 mars, j'en ai téléchargé 2 le 9 mars, ça doit être ça. Ah mais non, ça je l'ai déjà monté. Non bah en fait, je l'avais déjà monté. Ok, ça je l'avais pas monté. Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est le bordel. Oh bordel de merde. La marre de tousser. Ah. Bon, je vais essayer de retrouver ça. Mais c'est galère. C'est galère. J'ai réussi à faire partir Genos avec son collier parce que hier il est sorti et en fait, j'ai ouvert à Saitama et Genos il est arrivé. Il est sorti. J'ai même pas eu le temps de le choper pour lui mettre le collier GPS. Du coup, bah, il s'est barré. Et du coup, hier, il avait pas le collier, donc voilà. Il est rentré hier soir tout de même. Et là, j'ai sorti Saitama avant. Il y a Genos qui attendait devant la fenêtre, qui grattait pour sortir. Il m'avait arrivé avec le collier, il a commencé à se barrer. Il aime pas que je lui mette le collier. Et après, c'est bon, il s'est laissé faire. Je lui ai mis le collier, nickel et tout. Ciao, bonsoir. Ciao Bambino, il a son petit collier et il vient de partir, donc les deux chats sont dehors, c'est bon. J'ai réussi à me retrouver dans mes replays et tout, parce que le problème c'est que j'en avais plein à monter. Et j'arrivais pas à trouver, je me dis putain et tout, mais en fait j'avais pas sauvegardé, j'avais déjà commencé à monter un deuxième replay que j'avais pas sauvegardé, donc du coup j'avais pas vu que j'avais déjà commencé à bosser dessus. Et c'est bon, j'ai réussi à le retrouver. J'ai monté à Facecam, elle est déjà en ligne sur YouTube, ça a été rapide avec la fibre, de toute façon c'est nickel. Et là, pour le coup, je suis en train de monter... je suis en train d'envoyer sur YouTube celle de demain. Et j'en ai encore d'autres à monter. J'en ai encore d'autres dans un replay. Et j'ai encore un autre replay à monter. Ah, je vous dis, je suis en retard sur pas mal de montages de replay. Enfin, en retard. J'ai de l'avance à prendre. Donc, non, c'est pas mal. Donc là, j'attends que la miniature soit faite par l'intelligence artificielle. Puis comme ça, ce sera bien. Voilà, tac. Et là, c'est mon intelligence artificielle qui m'a fait l'image.
Elle est où? J'ai entendu le doudou dans les oreilles. Ouais, c'est bon, elle est là. Save image. Hop, ouvrir dans Photoshop. Et là, je vais continuer de monter à FSK. De toute façon, c'est ce que je dois faire tout de suite. Hop. Et hop. Je me regarde une vidéo de bagnole en même temps. Hop, hop, hop. Ah, il est là. C'est bon, j'ai retrouvé ma miniature. Nickel. Tac, tac, tac. Et voilà. Ah, je suis content pour le Genos que j'ai réussi à faire sortir avec son collier. C'est bon, au prix où on l'a payé, ce serait con qu'il l'utilise pas, tu vois. Ah putain, je suis enrhumé, ça me casse les bonbons. Putain. Fait chier. Ah, j'ai le nez pris, là. C'est horrible, tu te réveilles la nuit, déjà, du coup, t'as le nez qui est complètement pris, tu respires par la bouche, et ça me fait tousser. Du coup, j'ai des quintes de toux, là, cette nuit, j'ai une quinte de toux, là. L'oral m'a tapoté le dos au bout d'un moment. Pour voir si j'étais en vie. Je suis descendu, je suis allé pisser et tout, j'ai bu un coup, je suis remonté me coucher, ça a été. Mais le nez pris quoi. Même là, si j'ai le nez qui est encore pris, c'est chiant. C'est franchement, franchement chiant. Hein. Hop, hop, hop. Le petit titre de la sur la miniature. Voilà. Un petit peu de couleur. Voilà. Et voilà. Parfait. Plus qu'à mettre en programmation pour demain. Sauf que demain, ça va être une journée très chargée. Avec le passage du plateau, machin et tout. Alors, beaucoup de boulot. Ah. Oh, puis en plus, la vidéo est déjà en vérification, est déjà envoyée. Nickel, comme ça je peux programmer, puis je continue le montage de mes fuscam, hein, bien évidemment. C'est bueno tout ça, c'est très bien. J'arrête pas de regarder le site de la CAF, hein, vu que visiblement ça va être résolu cette semaine, il a dit la semaine prochaine c'est réglé. Donc je regarde régulièrement. J'attends de voir. J'attends. Inch'Allah, comme on dit. Hein. On verra bien. Moi c'est bon, les programmer. Hop, programmer pour demain, le 15 à 15h. Vu qu'il y a un vlog le matin, une petite facecam l'après-midi. Voilà. C'est bon. Allez, continuons. Ah, avec cette toux, ça me fait mal à la tête, c'est chiant. Oh, il pleut. Oh, bah, voilà. Hier, 21 degrés hier. 21 degrés hier. Il faisait un beau temps, j'ai même fait de la moto et tout. Oh là là, qu'il faisait beau, c'était agréable et tout. Et aujourd'hui, 10 degrés avec la pluie. Et demain, 6 degrés avec du soleil. Demain, j'ai mon plateau. Ils avaient annoncé de la neige à la base, donc je suis content parce que du coup, il n'y a plus de neige. Parce que putain, la neige avec le plateau, ça aurait pas été possible. Mais ouais, quel temps de merde, putain. On a eu de l'orage, hein, hier. Hein, de toute façon, je vous ai dit, on a eu coupure de courant et tout. Ouais, on a eu une coupure qui a duré... Bah, ça a coupé au moment où Théo et Chloé allaient au lit. Et c'est revenu au moment où nous on allait au lit. Donc au moins une heure et demie sans courant. Facile. Et le truc c'est que du coup le poêle ne tourne plus. Donc il n'y a plus de chauffage. Parce qu'il y a besoin d'un allumage électrique. Donc on était emmerdés. J'ai dit alors vas-y, j'ai pris des lampes torches et tout. Les enfants ils ont leur réveil qui s'allume. Il y a un réveil lumineux à pile. Donc ils avaient de la lumière dans leur chambre et tout. Ils n'étaient pas dans le noir, voilà, en panique et tout, ou quoi que ce soit. Donc ça c'était bien. Et du coup, bah ça. Et le biome de Théo que Françoise avait envoyé, il marche bien. Hein, il est content hein, ce matin. Il m'a dit viens voir, papa, viens voir. Regardez. Hop. Tous ces petits trucs qui poussent dedans. Il y a des petites graines qui poussent et tout. Il est tout content. Ah, il l'a fait avec assiduité hein, ce truc. Hein, il s'est bien appliqué et tout ça. Et il adore le jardinage, Théo. Et d'ailleurs, l'animatrice, du coup, c'est pas du périscolaire, mais l'animatrice des activités que les enfants font le soir, donc lundi, jeudi pour Théo, mardi, vendredi pour Léo, nous a donné un petit papier pour inviter Théo à venir aussi vendredi, parce qu'ils font du jardinage, et l'animatrice, elle sait que Théo, il adore le jardinage, donc elle a proposé est-ce que Théo, il vienne lundi, jeudi, vendredi aussi, à la petite séance de jardinage pour pas qu'il loupe ça et tout, c'est super gentil.
Théo, il adore. Mon père a attaché des petits cadres de Chloé. Des petites peintures qu'elle avait fait. Ça, c'est ce qu'elle avait dessiné à Châtel, qu'on avait déjà... En fait, on les a récupérés. Du coup, au décès de leur maman, on a récupéré les tableaux avec les affaires des enfants. Ça devait être dans les cartons et tout des enfants. Et du coup, bah, on a les petits cadres, là, qu'ils avaient dessinés à l'époque. Il lui a accroché son truc pour les robes. Elle a mis ses pompes ici, ouais. On va lui acheter des pompes. Elle a, du coup, des chaussures de marche. Ça, c'est bien. Chaussures de marche, c'est vraiment cool. Des baskets, des ballerines, quoi. Des ballerines toutes neuves. Et des baskets de sport. Voilà. Elle lui a acheté ça et tout, donc elle est contente. Elle les a alignées là. Il y a son petit avion. Franchement, l'autre jour, en vrai, tous les... Putain, merde. Tous les soirs qu'on va au lit, on va voir les enfants. C'est la routine. Bon, à part les ados. Mais on va voir Léo. Tu sais, on monte et tout. Généralement, ils sont déjà au lit, ils dorment déjà. Donc on vient et hop, on regarde. Ils dorment bien et tout. S'ils sont encore un peu réveillés, ils nous disent bonne nuit et tout. Ils nous disent à nouveau bonne nuit parce qu'on leur a déjà dit. Et puis on va toujours voir Théo. Tous les deux, hein, on fait ça. Théo, Léo, on va les voir, on regarde, tout va bien et tout. Et l'autre jour, j'ai dit à Laura, j'étais comme ça. Et puis on les regardait dormir et j'ai dit putain, on a quand même réussi à leur faire une chambre chacun, quoi. Ça nous a coûté cher, certes, de faire les chambres en haut. Ça nous a pris du temps, du travail, ça a demandé aussi de l'aide de nos amis, nos proches, notre famille et tout ça. Mais on a réussi à leur faire une chambre chacun, quoi. Et là, quand je vois la chambre de Chloé, sa petite chambre à elle, et ça se passe très bien, hein. Les gens, ils avaient disaient au début, oui, mais elle va être séparée de Libby et tout, alors qu'elle a toujours dormi avec Libby. Non, Châtel avait sa chambre à elle, mais bon, elle dormait souvent avec Libby quand même. La nuit, hop, elle bifurquait, elle est dans la chambre de sa sœur. Et voilà, elle a ses jouets, hein, ses Barbie, ses machins. Un radiateur. Ah bah oui, parce qu'ils ont des radiateurs, les enfants. Sa grande armoire, ça, c'est l'armoire qu'on avait eue avec la maison. Qu'on avait emménagé, d'ailleurs, qu'on avait loué la maison à la base, parce qu'on était locataire, pour ceux qui ne savent pas. On était locataire et tout, et j'avais même dû payer 2 mois... Enfin, normalement, elle n'a pas le droit. Mais la propriétaire m'avait demandé 2 mois de caution au lieu d'un mois. Et non, elle n'a pas le droit de le faire, mais parce qu'il y avait du coup cette armoire, il y avait un lit superposé, machin, 2-3 trucs qu'elle avait laissé. Et finalement, bah, on a acheté la maison, on a récupéré l'armoire. Et franchement, elle est cool l'armoire. Hein. Elle a collé le truc Europa Park, mais elle est cool l'armoire. Hein. Elle est encore en super état et tout. C'est de la qualité, de toute façon, ça se sent. Bon, c'est de la qualité. On sent que c'est pas de la merde non plus, quoi. C'est pas de la super qualité, parce que ça reste des meubles. Acheté en grande distri, enfin dans des trucs Carrefour, machin, mais ça va. Puis la Théo, il a toujours ses commodes là que j'avais acheté à l'époque. Bon, elles ont souffert un peu, j'ai dû les rebricoler plusieurs fois. Il a sa grande armoire aussi, avec toutes ses affaires dedans, sa petite étagère que mon père lui avait remis. Voilà, son petit lit, ses petits doudous et tout ça. Et puis Léo, là on a mis ce cadre là ici du coup, celui qui était en bas, on a recollé notre photo et tout parce que c'était cassé la gueule. Donc je les ai recollés. Ils ont tous leurs prénoms sur leur porte. Et Léo, du coup, qui a récupéré l'armoire de Malone. Et qui a son lit Harry Potter, son bureau, tout ça. Il va falloir refermer ça. Et puis son truc qui fonctionne. Et le cadre. C'est un cadre avec un éléphant à la base. En fait, Libby m'avait demandé une photo de sa maman pour sa chambre. Et du coup, j'avais acheté un cadre. Et finalement, qu'on a récupéré les affaires des enfants, on a récupéré des photos qu'ils avaient de leur mère. Et du coup, bah, ils ont pris ces photos-là. Mais il a quand même gardé le cadre avec l'éléphant, quoi. Normal. Ouais, non, ils sont cool. Et c'est ça, les lampes qu'ils ont. Ces petites lampes, elles s'allument si c'est lumineux la nuit et tout. Hop. Puis elle a ça aussi, qu'elle avait récupéré. Chez sa mère, petite veilleuse. Que j'avais rebranchée, elle fonctionne au moins. Ah bah, elle l'a débranchée, à mon avis. Mais voilà, c'est cool. Non, c'est bien. Une chambre chacun, ce petit porte-manteau. C'est cool. Mais là, il va falloir qu'on fasse des travaux. Hein. De toute façon, hein, il faut repeindre tous les murs. Les murs, ça va pas du tout. Ça va pas. Ils sont dégueulasses et tout. Faut remettre un bon coup de peinture partout. Que je découpe correctement les raccords des radiateurs et tout. Et puis même le parquet. Autant le parquet de la salle de jeu et de notre chambre, il est vachement bien. Et il est super épais. Par contre, le parquet qu'il y a là, c'est de la merde. C'est de la vraie merde, le parquet qu'on a là. Après, je juge pas l'ancienne propriétaire, hein, elle a mis ce qu'elle pouvait, hein, y a pas de souci. Mais c'est du parquet vraiment, vraiment pas haut de gamme, quoi. On est sur du parquet qui bouge beaucoup, tu vois. Tu vois, il bouge. On voit les jointures.
peux aller aussi. On voit la jointure là. Je sais pas si tu vois là. Ça a bougé et tout. Et moi, en dessous de mon bureau, c'est une catastrophe. Ma chaise a bouffé le parquet. Ma chaise a littéralement bouffé le parquet. J'ai carrément des... le parquet qui est mangé, quoi. Mais bon, après, on changera de C4. On mettra quelque chose, parce que c'est beaucoup passant. Et voilà, on verra. Bon, les amis. Oh, ses cheveux. Il est actuellement 13h48. Ouais, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. The B. Bon, j'ai travaillé sur l'ordinateur, des facecams, tout ça, de la compta, de l'admin, tout ça, tout ça. Et j'ai aussi bossé sur mon avenir professionnel après YouTube. Vu que j'ai des dates, des échéances qui arrivent bientôt et tout ça, ça demande des efforts. Dehors, il y a un vent pas mal. Hein, il vente pas mal dehors. Plus un petit peu de pluie et tout ça, c'est vraiment... ça fait chier parce qu'hier, il faisait soleil, il faisait 21 degrés, il faisait bon et tout. Et là, aujourd'hui, pff, voilà, la merde. Qu'est-ce qu'ils annoncent au courant de la semaine? C'est ça qui m'intéresse aussi. Attendez, je veux juste vous poser la caméra, ce sera plus pratique parce que là, je la tiens dans les mains, j'ai mon téléphone dans les mains aussi. Hop. Juste répondre à Laura aussi, elle m'a envoyé un truc, là. Voilà, comme ça. Alors... déjà... Le Clean and Steam qu'on a envoyé en garantie, du coup, il y a de cela deux semaines, trois semaines, bah c'est bon, il est retourné au magasin, il est réparé. Vous voyez, plusieurs abonnés qui avaient dit « Ouais, mais il sera pas réparé, machin, 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 machou. » Bah si, il a été réparé, vous voyez. Les gens, en fait, les gens, ils pensent toujours tout savoir mieux que toi, mieux que machin et tout. Je vous jure, hein, y en a plusieurs, hein, même, qui m'ont écrit en message privé en disant... oui, moi j'ai eu le même problème, on me l'a pas réparé parce qu'on m'a dit que c'était une pièce d'usure, machin et tout. Enfin, c'était pas normal que c'est cassé. Bah si, bah moi, la preuve, ils me l'ont réparé. Donc Laura irait le chercher après son boulot tout à l'heure. Déjà d'une, voilà. Je continue de contrôler la CAF. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc on verra bien. Et puis, là, la météo, du coup. Tac, tac, tac. Météo, là. Alors, aujourd'hui... 7 degrés, pluie, vent, c'est le cas. Demain, ils annoncent... Non, je vais pas repasser mon code moto, j'ai déjà passé, il me fait des pubs code moto, tu sais. Demain, ils annoncent 6 degrés avec du soleil nuage. Un petit peu de vent. Jeudi, ils annoncent 17 degrés, donc tu passes genre 10 degrés de plus. Avec soleil nuage. Vendredi, 19 degrés avec soleil. Ce week-end, nuage, 15 degrés. Toute la semaine prochaine, par contre, on a plus de 15 degrés toute la semaine prochaine, avec juste le lundi un peu de pluie, et le week-end prochain. Donc pour l'instant, les températures remontent fortement, à part aujourd'hui. Demain, ça sera le dernier jour où il fait pas super beau, et après, jusqu'à fin mars, on a plus de 15 degrés. Je veux dire à Laura, demain, dernier jour, pas ouf température, et après, plus de 15 degrés. Jusqu'à fin mars, normalement. Voilà. C'est pas mal, je trouve. C'est cool. Hop. Donc ça, c'est fait. Je vais chercher les enfants tout à l'heure. N'est-ce pas ? Hop. Et ce soir, je sais pas ce qu'on fait à manger. On n'a pas fait le planning des repas cette semaine. On a pas mal de viande au frais, au congèle et tout ça. On n'a pas fait le planning des repas. Donc à voir, on verra bien. On verra. On verra. Je suis fatigué. Ce rhume me casse les couilles. De tousser, là, j'ai une quinte de toux encore avant. Ça me fait mal à la tête de tousser. C'est chiant, putain. Bon, ça m'empêche pas de travailler, mais c'est chiant quand même, hein. Et c'est cool, on récupère l'aspi ce soir, la Clean Steam. Laura, elle sera contente, c'est elle qui majoritairement s'en occupe. Donc elle sera contente du coup. Parce que là, en ce moment, elle fait balai et ensuite serpillère, tandis que le Clean Steam, il fait les deux en un, donc c'est quand même mieux, tu vois. C'est quand même beaucoup mieux. Ah oui, hier sur le Q7, j'ai aussi changé. J'ai pas tout changé, j'ai changé une des lampes parce qu'en fait, l'Audi A3 et le Q7, quand tu ouvres la porte, il y a un logo au sol, comme j'avais sur le 3008. Et t'as un joli logo qui s'affiche sur le sol. Et c'est rigolo, c'est beau, tu vois. La 3, elle en a. Et le Q7, j'en avais aussi. Ça marquait S-Line par terre.
Le seul problème, c'est que avec le temps, bah, les bordels, ils ont pris la flotte, l'humidité et tout. Donc, en même temps, au bout de 10 ans, voilà. Donc moi, quand j'ouvre la porte, le logo au sol, c'est genre, c'est de l'eau. Enfin, ça fait comme un splash d'eau, tu vois. Comme une flaque d'eau. Mais du coup, il n'y a plus de logo. Ça faisait longtemps que je devais recommander ça, donc j'ai commandé la semaine dernière, je l'ai reçu hier, j'étais content. Du coup, je les monte, j'en monte un pour tester, et dès qu'il faisait nuit hier, pendant deux averses, je suis allé voir ce que ça donnait, et ça met Audi avec marqué Audi en dessous. Et du coup, j'ai contrôlé les trois autres, parce qu'il y a quatre portes, et les trois autres sont morts aussi. Donc là, j'en ai deux, pour avant-gauche, avant-droite. Donc avant-droite, je ne l'ai pas encore changé. Et j'ai commandé deux pour l'arrière, du coup arrière-gauche, arrière-droit, pour qu'il y ait le logo, voilà. Ça, on retrouve ce logo, c'est dommage, c'est un truc joli, et puis du coup, c'était pété. C'est un peu con-con, tu vois. Et puis là, vu les températures qu'il fait, je pense que je vais pouvoir... Stevie m'a dit qu'il travaille du matin, donc si un après-midi, j'ai besoin de lui, il pourrait être dispo, tu vois. Ah, et faudra que bah, d'ici la fin mars, hein, quand il fera beau, bah, que je démonte le coffre. Enfin, je démonte pas le coffre, je démonte la garniture de coffre pour sortir tout l'électronique. Et tester chaque boîtier les uns après les autres pour savoir qu'est-ce que je dois changer exactement. L'ampli, c'est sûr, ça fait déjà deux fois que je le répare. Bon, maintenant, il n'y a plus d'infiltration d'eau, c'est réglé. J'ai nettoyé tout, j'avais dû tout démonter, la garniture, le ciel de toit et tout. Oh, comment je m'étais fait chier, putain, je m'en souviens. Puis, sachant que je suis pas bricoleur du tout. Alors moi, faire un truc comme ça, ça demande un sacré effort, tu vois. Mais là, faudra que je fasse ça. C'est juste que c'est dans des trappes et tout, c'est super chiant. Donc, il faudra que je démonte ça. Que je mette le nouveau boîtier confort que j'avais installé, donc le boîtier qui gère le MMI. Donc l'électronique, le multimédia de la voiture, et voir ce qui merde d'autre, parce qu'il y a un autre truc qui merde, c'est sûr, parce que ça s'allume toujours pas, enfin l'écran il s'allume mais il s'éteint, donc c'est qu'il y a autre chose qui a cramé, mais je ne sais pas quoi, j'en ai aucune idée de c'est quoi, donc à voir, je sais pas, on verra bien, Inch'Allah. Ouais, et demain plateau, demain plateau, 4 heures de plateau, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, c'est bien, j'aime bien qu'il y ait une pause entre deux, je trouve, c'est pas mal, Bref. Salut. Il est actuellement 16h07. Du coup, j'ai continué de bosser et tout. Hop. Et après, j'ai eu un gros coup de barre. Je pense que c'est le rhume, machin et tout ça. Du coup, je suis allé m'allonger une demi-heure. Et j'aurais pas dû. Parce que j'ai fait une sieste d'une demi-heure et je me suis explosé la tête. J'ai trop mal à la tête. Oh là là, j'ai mal la tête. J'ai toussé, machin et tout. J'ai toujours un nez qui est pris là. Quelle horreur. Ah vraiment là, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout. Bref, c'est comme ça. J'ai fait le planning des lives aussi. Je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Ce soir un live. Jeudi live cuisine, normalement, si j'ai rien prévu. Et dimanche soir un live. J'ai d'ailleurs reçu les revenus Twitch là. Revenus qui ont quand même été largement divisés avec les nouvelles règles de Twitch. Ouais. Moi, divisé par deux voire par trois les revenus Twitch. C'est pour ça que j'avais expliqué que j'utilisais les live Twitch comme replay de live pour faire des facecam. L'année dernière, je faisais une facecam exclusive tous les jours. Et là maintenant, je fais 80-90% des replays de live. Parce que c'est stratégiquement plus intéressant pour moi. Dans la mesure où les replays de live sont vraiment vachement regardés. Les lives sont bien regardés, mais les replays de live aussi. J'ai vraiment de bonnes vues sur les replays de live selon le sujet qu'on aborde. Donc ça fait plaisir à son homme. Et parallèlement, bah, vu la baisse des revenus Twitch, qui est quand même vraiment conséquente, et bah pour moi ça me permet d'équilibrer les choses. Et du coup, bah, j'ai une baisse de revenus sur Twitch, mais en même temps Twitch maintenant me sert à faire des replays de live. Des facecams et tout ça. Donc le travail en fait que je fournis plus en faisant des facecams exclusives tous les jours, j'en fais encore quelques-unes, et ben du coup c'est comblé et c'est pas mal. Après c'est des choix, hein. C'est comme ça, des choix stratégiques. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Là maintenant je vais aller chercher d'ici quelques minutes Théo et Chloé à la garderie. Et puis après, bah, on rentre, les devoirs à faire, le goûter, les douches, et après, la routine du soir. Je sais pas encore ce que je cuisine, je verrai bien, faut que je vide le lave-vaisselle aussi, il a tourné, faut que je le remplisse.
Et puis là, je viens de prendre le médicament pour la tête. J'espère que ça va me calmer un petit peu la tête fracassée. On croise les doigts. Mais ça devrait aller, je pense. Quand je prends un médicament, généralement, ça agit pas mal. Les spédifènes, ils sont assez bien pour ma tête. Donc on verra bien. Allez, je vais aller vite fait chercher les enfants et puis je vous reprendrai après. Je vous jure, Théo et Chloé, en 20 secondes, ils se prenaient déjà la tête. Parce que Chloé a expliqué qu'elle a marché dans la boue, mais elle n'a pas fait exprès. Avec ses chaussures. Et du coup, elle était sale. Et Théo, il lui a dit, non, il y avait du sol. Elle a dit, non, il y avait de la boue. Il dit, ouais, mais t'aurais pu marcher sur le sol. Elle a dit, non, j'ai pas fait exprès. Oui, mais t'aurais pu marcher sur le sol. Non, mais j'ai pas fait exprès. Oui, mais t'aurais pu marcher sur le sol. Non, j'ai pas fait exprès. Puis après, Chloé lui dit, de toute façon, je ne te réponds plus. Comme ça, tu ne parleras plus. Et du coup, il dit, non, mais je comprends que tu n'aies pas fait exprès. Mais t'aurais pu marcher ailleurs. Oh la vache. Papa, c'est trop beau. Ouais. D'un coup, je peux me doucher. Ah, tu pourrais déjà te doucher. Je l'ai juste changé parce que l'autre, il est foutu. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on prend, goûter ? Vous pouvez prendre des bonbons. Goûter ! Quelle histoire. Il y avait même pas des millions de plantes. Bah oui, ça pousse. Et là, il y a... Papa, il y a même une petite fleur. Il reste des chocolats pâques qui sont tout en haut. Non. Non, pas des chocolats. Pas ça. À Noël. Ah oui, oui. Mais attends, c'était marqué le nom. C'est pas Noël. Chloé, tiens. Moi, elle m'a mis plus de bonbons. Théo. Et là, c'est. Elle m'a mis plus de bonbons. Mais non, tout le monde a le même. Mais tu peux l'ouvrir, s'il te plaît. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ranger tout ça, j'ai encore la vaisselle à ranger là. Les boules, la gâteau, machin. Ah, c'est bon. Bah, du coup, ce soir je fais du blé. Avec du bœuf, je pense. Ou alors on a des rôtis de porc aussi. Je sais comment enlever le ça. Donc je peux voir. On avait aussi. Il y a une copine qui m'a donné une sucette à fat, donc je l'ai donné à une dame qui travaille à l'école. Ah. Parce que moi, j'ai dit non, tu dis oui à personne. Oui, oui, tu prends pas de bonbons, tu connais pas ou quoi que ce soit. Bon, les amis, je suis en train de préparer le repas de ce soir, donc je fais un rôti de bœuf au cookéo avec des petites carottes. Ouais, il est dans l'eau chaude pour le décongeler. Ce sera plus simple après. Mais après, je le fous d'un bloc dans le cookéo, pas besoin de le couper. Parce que sinon, il est un peu dur. Je vais préparer le blé aussi. Le cookéo qui est là. Couper des petites rondelles de carottes pour mettre avec le sein rôti. Et puis, ça sera bien. Là, Libby, elle est rentrée. Elle est en train de faire ses devoirs. Du blé avec du bœuf. Tu veux pas faire tes devoirs maintenant, comme ça c'est fait ? Ça serait bien comme ça, ils sont faits, pas besoin de les faire demain. Toi aussi, t'es devoir maintenant. Est-ce qu'on pourra choisir la musique demain? Oui, on choisira. Sur oui, t'inquiète pas, je sais où trouver des musiques. Oui, ça va, Max, je sais. Elle doit choisir une musique pour l'école, mais faut pas qu'il y ait d'insultes et de gros mots dedans. Et elle m'a dit, Avama, c'était apparemment une musique que sa mère écoutait beaucoup. Et elle veut prendre ça. Donc, moi, je sais pas s'il y a des insultes dans Avama, il faut que je regarde les paroles quand même. Histoire qu'elle se fasse pas toquer, mais je pense que ça devrait être bon. C'est un truc grand public de toute façon. Voilà, allez, on fait les devoirs comme ça au moins. Demain on est mercredi, mais pas besoin. En plus, papy il vient vous garder demain matin. Papy Antonio ? Oui. Vous allez au cinéma. Quoi ? D'où on va au cinéma ? D'où t'as vu ça ? Parce que Laura elle m'avait dit, mais je crois que c'est dans longtemps. Vous allez aller au cinéma ? Non. Je croyais que vous allez au cinéma. Non, Laura elle travaille demain et moi je. Les mots,
là, oui. Il dessine là. Je vais faire mes leçons de moto, moi, demain. Leçons ? Des leçons de moto. Je vais apprendre la moto. Ah non ! Faut lire les mots, trouver le mot oui. et faire bah le oui. dessin là. Allez, go. Ça, c'est fait. Ah, le rôti de bœuf. Et cuit. Bon, vu qu'il était surgelé à base, vu qu'on l'avait congelé, je l'ai pas fait saignant, parce que sinon j'avais peur que ce soit un peu dur. Avec les petites carottes, là je suis en train de cuire le blé 5 minutes, et après je mettrai le blé avec, le petit bouillon et tout. Et du coup, bah, le repas sera prêt pour ce soir. Là, Laura, du coup, elle est passée chez Darty, parce que notre aspi, bah, comme je vous ai dit, est réparé, elle l'a récupéré, c'est bon, elle l'a dans la voiture. Et puis là, elle rentre à la maison, elle va juste récupérer Léo en cours de route. Et puis après, c'est bon. Ah, c'est Théo Léo qui se sèche les cheveux. Hop, quoi ? Ah oui, elle aime bien écouter les musiques à la télé, Chloé. Donc voilà, ça cuit, tout se prépare, nickel, propre. Il a l'air bien, bon le bœuf. Ah du coup, ma mère, elle a goûté ce matin... C'est quelle viande qu'elle a goûté ? Du steak, je crois. Elle a dit, waouh, la vache, il est bon. Je dis, ah, tu vois, je t'avais dit. T'as même pas besoin de dents pour le manger, tellement il est tendre. Je te l'ai dit. C'est pour ça que ça valait vraiment le coup de les acheter là-bas, les viandes. Franchement, c'est vraiment le meilleur bon plan qu'on ait trouvé depuis longtemps, ça. C'est trop, trop cool. Bon, et du coup, particularité, le blé, je le cuis au cookéo, mais je le cuis avec le bouillon de la viande. C'est-à-dire que j'ai laissé le bouillon de bœuf, parce que j'avais mis un bouillon de bœuf avec la viande, du vin blanc, de l'eau. Et là, j'ai réutilisé, du coup, pour cuire le blé. J'ai juste rajouté un peu d'eau, faire le complément. Du coup, bah, le blé, il va prendre un bon goût. Surtout que le blé, c'est un peu sec à la base. Donc là, je pense que ça va bien aller, quoi. Ça va être cool. Ah, c'est cool, je suis content. Ça va faire un bon petit repas. Ça fait bizarre d'aller bosser le soir et qu'il fasse encore jour. Putain, j'ai mon écran qui arrête pas de se mettre en veille, ce bâtard. Enfin, il s'éteint carrément. C'est chiant. Et du coup, bah, on a mangé le rôti et tout. Pouah, trop bon. Comme je dis à Laurent, en plus du rôti, généralement, c'est pas la viande la plus... la meilleure dans le bœuf. C'est une viande, voilà, c'est bon, mais c'est pas ouf. Et ben, elle était super bonne, quoi. Encore une fois. Nickel. Bref. Geno s'est rentré. Là, je vais aller maintenant monter mon vlog. Ce saint vlog. Donc, j'ai le montage du vlog, j'ai un live ce soir. Pour jouer à Sea of Thieves. Donc, voilà, let's go. Allez, travailler. En faire du bien avant demain le plateau moto. Sinon je vous vlog demain de toute manière. Mais j'appréhende pas mal. Bref, je suis flou en plus, c'est chiant. Bon allez, des bisous, salut.